déjà, c'est pas la peine. Au lieu d'évoluer, il recule. Quand tu montes sur un vélo, là, tu descends là, tu dois monter sur une moto. Mais quand tu montes sur un vélo, tu descends et montes sur un vélo encore, c'est pas la peine. Ouais. Les jaloux vont maigrir. Surtout quand ils vont apprendre que la poupettillonne est épatée. Si tu mets ton pied là-bas, je vais te tuer. Même Django ne peut pas me tuer. N'en parlons pas d'un moustique. Les enfants de l'école Les Leaders, ils se retrouvent dans un maquis, organisent des concours de qui boit plus que l'autre. Ce ne serait pas étonnant qu'ils consomment de la drogue en plus. Alors, les parents de ces élèves, qu'est-ce qu'ils disent? Justement, comme beaucoup de leurs parents fréquentent votre église, on a pensé que vous pourrez faire quelque chose. Vous avez bien fait. En tant que comité local de sécurité, notre mission, c'est de prévenir tous les problèmes, quel que soit leur genre. Mais c'est ma moto. Ça, je suis parfaitement sûr. C'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut reconnaître sa moto comme ça dans un parking? C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'enlever mon autocollant dessus. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Voilà. Ils étaient deux. Quand j'ai voulu prendre ma moto, ils m'ont frappé et personne même n'a réagi. Ah, c'est toujours comme ça, hein? Les gens ont peur de risquer leur vie en voulant porter secours. Vous dites que vous avez reconnu l'un d'entre eux? Oui. On l'appelle Georges la Terreur. Yes, sir. Ma poupettillonne. Et qu'est-ce que tu es en train de lire comme ça, là? C'est la liste des objets voulus qu'on a actualisés. Laisse ça. Ferme les yeux et suis-moi. J'ai une surprise à te montrer. Ferme les yeux et te suivre, hein? Ouais. Dépêche-toi. Continue de fermer les yeux. Attention à la marche. C'est quelle histoire ça là? Viens. Voilà. Et tadam. Eh? Ouais. Le chouchou. Mes félicitations. Merci. Tu peux même essayer. Ah non, 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 non. Après je vais essayer. Tu vois, on met même des vitesses. Ouais. Poupette, il faut bien vérifier. Je suis celui qui l'a volé. Volé? Oui. C'est toi qui es voleur. Oui. Voleur. Fou. Jaloux là. Voleur là. Et Poupette, ne l'écoute pas. Tu vois, regarde. Quitte là-bas. Tu sais, on n'est pas pareil. On peut jamais être pareil. Et regarde ta taille. Tiens, jamais. Toi, tu es affamé. C'est bon. C'est quoi même? Alors, la langue mal. Non, pimbré. Voilà, faut finir ça ici. Là, ça est ici. Oh, t'as mis ça. Et puis, tu t'es dit policier. Tu es bête. Oui. Regarde-moi ça. On dirait que Oyo a raison. Oyo a raison. Ce vélo fait partie de la liste des objets volés. C'est pas possible. Oui, oui. Comment ça, c'est pas je l'ai payé avec mes économies. Quelle économie? Hé, hey, chouchou, dis-moi la vérité. As-tu volé ce vélo-là? Poupette, tu oses m'accuser? Je ne t'accuse pas, j'ai juste posé une question. Attends. Regarde. Voilà mon reçu. Tiens. Ça va. Voilà. Chef. Voilà le nom de la boutique là-bas. C'est falsifié. Mais moi aussi, je ne mens pas. Voici le numéro. Voilà, mais va vérifier. C'est falsifié. Ok, je vais vérifier. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma fille. Bonjour. Ça va? Ça va. Nous voulons voir les parents de l'élève Sanou Karim. Ils sont en voyage. Et l'élève lui-même? Il dort. Vous voulez que je le réveille? Bon, ça va. Voilà, c'est ici même. C'est ici. Ah. Et le gardien du parking que voici peut témoigner. Témoigner quoi? Je ne suis au courant de rien. Hé, hey, est-ce qu'on t'a sonné? Hein? On t'a demandé quelque chose? Hein? Je ne suis au courant de rien. Viens ici. Est-ce qu'on t'a laissé le avant, bâtard? Il va se souvenir de tout. Tu calme, brigadier. Tu connais Georges Latireur? Tu l'as vu récemment? Je ne connais personne de ce nom. Brigadier. Tu ne le connais pas. Viens ici. Tu le connais, oui ou non? J'avoue. Alors parle. C'est la terreur du quartier, mais personne n'ose le dénoncer. Quoi? Quoi? Il faut aider la police à vous protéger. Qui est fou? La semaine passée, ils ont agressé un jeune, poignardé, retiré sa moto. Personne n'a parlé. Quoi? Vous êtes des peureux ici, hein?
caille. Bon, où est-ce qu'on peut le trouver? Bon, dans ce maquis. Ils viennent s'asseoir, boire et manger. Et ils agressent tout le monde. Ok, brigadier, on y va. Mais ne dis mot à personne. Si tu parles, tu es un homme mort. C'est avec lui que j'ai acheté le vélo. Mais quoi? De quoi vous parlez là? Il y a quel problème? Vous avez vendu un vélo à ce monsieur. Et on s'est rendu compte qu'il s'agit d'un vélo volé. Quoi? Ah, non, 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 c'est pas ici. Moi, je ne vends quand même pas de vélo volé. Hein? C'est bien sûr ici, oui. C'est avec vous que j'ai acheté le vélo. J'ai même le reçu ici. Hein? Oui, il y a votre tampon dessus. Vérifiez. Oh, ok, je vais vérifier. Un instant, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? La prochaine fois, tu fais attention. Oui, mais regarde, l'inspecteur, c'est pas de ma faute. Le voilà qui court là-bas. Le salaud. Inspectrice, maintenant on fait comment? Il va pas revenir de sitôt. Mais on ne sait jamais. On va demander à Jacou de venir se planquer ici. Retournons à la base. Monsieur le commissaire, nous avons prévenu le proviseur de l'établissement. Il dit qu'il ne peut pas gérer des enfants aussi impolis et que ce que ses élèves font en dehors de l'établissement ne le regarde pas. C'est déplorable. Ouais. C'est dommage que les parents soient démissionnaires de leurs enfants. Il faut les surveiller. Oui. Mais j'ai des problèmes d'effectifs. Pas de problème, commissaire. On s'en occupe. Bien, monsieur le curé. Oui. Continuez à sensibiliser au niveau de la paroisse tous vos fidèles. Nous avons tous besoin de sécurité. C'est juste. Et je compte sur chacun. Il n'y a pas de problème. Allez. Bénissez-nous. My London. Tu vois, moi j'étais toujours dit quelque chose. C'est un fou type. Hein? Au lieu de lui voler quelque chose de bon, c'est un vélo qui vole. Hein? Il ne vaut rien. Eh, écoute, moi je pense que Chouchou est innocent. Où ça? Oyou, qu'est-ce que tu fais ici? Et la guérite? Sacré Oyou! Et les inspecteurs? Les inspecteurs sont sur le terrain, mon commissaire. Bon, quand ils arrivent, qu'ils passent au rapport. Bien reçu, mon commissaire. Seigneur Jésus, oh, Dieu ne va jamais bénir un voleur, quoi. Hein? Toutes mes économies là sont parties comme ça. Attends. Comment tu vas rentrer dans ton non-loti là, sans ton vélo? Tu veux que je te ramène avec mon vélo? C'est plutôt sur ton dos que je vais aller. Espèce de frélaté là. Faisons la paix. J'ai une proposition pour toi. Faut parler. Je t'écoute. J'ai une solution pour ton vélo là. Où est ton patron? J'ai essayé de le joindre au téléphone, mais ça ne passe pas. Bonjour d'abord, quand même. Oui. Dis-moi où il est. Il est sorti. Il est allé où? Il est allé au village, à un baptême. Il y a quoi? Tu veux vélo? Hé, hey. Toi je ne te connais pas. Qui es-tu? Je travaille à la mairie, non? C'est quelque chose. Hé, hey, dis-moi qui es-tu? Je suis nouveau ici. Je suis le nouvel apprenti du patron. Il y a quoi même? Hé, hey. S'il revient, hein? Tu lui dis que Joe est passé. Joe. Oui, Joe. Et qu'il se prépare à recevoir une nouvelle livraison. Au même endroit. Ok? Livraison? Quelle livraison? Dis-lui comme ça. J'ai compris, Joe. Où est ton problème? Hein? C'est pas arrivé là-bas. J'ai compris.
Voilà ma proposition. Prendre l'acide, effacer toute la peinture, les numéros, effacer tout. Hein? Ni vu, ni connu. Toi, tu es idiot. Hein? Comment on fait pour faire sortir le vélo qui est en fourrière chez vous? J'en fais mon affaire. Ok. Mais dans tout ça, là, tu gagnes quoi? Bon. 3 mois d'abonnement dans ce café-là, matin et soir. Tu es bête, non? Ça va pas? Jamais! Bon. 2 mois à prendre ou à laisser. Ok. Ça me semble honnête. Mais on va signer un pacte de sang. Bon, t'as pas confiance, quoi? Hé, hey, toi là, la confiance est morte le jour où Jude a trahi Jésus. Ningi Glan. Bon. Donne ta main. Tu es bête, non? C'est quoi ça? Je vais couper ta main et couper la mienne. Comme ça, on mélange nos sangs. C'est ça qu'on appelle pas. Non. Moi, je n'ai pas assez de sang. Je n'ai pas perdu mon sang. Non. C'est à prendre ou à laisser? Avec ce temps de sida là, moi, je ne vais pas mélanger mon sang. Non. Ah, tu as raison. Parce qu'avec ton sang douteux là. Toi, tu es bête. Ça va, ça va. Ok, dans ce cas, tu vas jurer au nom de tes ancêtres. Et ça va suffire. On verra. C'est ça. On fait comment? Allô? Le 10-10? Nous deux Zeus. Il doit y avoir une complicité. Il doit être de mèche avec les agents de la prison. Voilà. Mais comment découvrir ses complices? Voilà, c'est ça la question. Bon, je vais m'en référer au patron et on verra. D'accord. Mon commissaire, nous on n'a pas pu mettre la main sur Georges Latureur. Mais on a identifié un maquis où il va fréquemment. Mais qu'est-ce que vous attendez pour exploiter cette piste? Allez au boulot. Bonjour mon commissaire. Comme ça, le tapis, j'écoute. Ah, les 10-10. Quoi? Des braqueurs? Mais où ça? D'accord. Je n'en plus. D'accord, on envoie une équipe tout de suite. Toi, tu as l'habitude de la prison. Si tu nous dis comment ça se passe, on pourra faire quelque chose pour toi. Ah, moi, j'ai entendu dire qu'il y a des prisonniers qui pouvaient sortir comme ils voulaient. Hein? Mais moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Inspecteur, le 10-10 vient d'appeler. Il y a un braquage. Un braquage en plein jour? Oui, hein? Donne-nous les coordonnées. Oui, c'est dans la petite forêt à la sortie de la ville. Brigadier, chef-fils, ramène le prisonnier au lit. Et tu nous rejoins vite. On y va sans perdre. C'est bon. Allez, viens. Et toi là, il faut qu'on trouve une occasion pour faire sortir le vélo là. Hey, même si on ne trouve pas une occasion cette journée là, la nuit on peut le faire. La nuit? Oui. Ça c'est du vol? Tu répètes non? Tu veux pas ton vélo non? Oui, mais toi aussi. C'est pas. Oh. Ah, ça là c'est une mission express. Hein. Voilà, c'est maintenant l'occasion. Ah, oh oui. Mais le commissaire est là, non? Oui, pour le CCR de bureau. Ok, bon, allons-y.
Mais Oyo, mais moi j'ai peur. Quoi? C'est quoi? J'ai peur. T'as peur? D'accord. Non. Arrêtez, descendez. Je vais blesser là. Bandit que j'ai suivi jusqu'à la prison la dernière fois. Ah bon? Oui. Ah donc il a fui de la prison. Allez, venez. C'est moi. Laissez. Allez, avancez là-bas, dans le coffre. Allez, on y va. Il y a un sérieux problème. Il y a quoi encore? Moi, je t'avais dit que c'est un voleur, non? Hein? Voilà, pour y aller voir. Son voleur n'est pas là. Et c'est pour lui que c'est lui qui a volé ça. Non. Chouchou n'ose pas. Il n'ose pas faire ça. S'il fait ça là, même le commissaire ne pourra pas le protéger. Allons-y. Allons. Oyou, c'est pas le vélo de Chouchou comme ça. Tu mens ainsi. Hein? Je te jure, je l'ai vu sortir avec. Et toi, tu ne l'as pas empêché. Hein? Regarde. Ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai pas que ça seulement à faire, d'accord? Quelles sont ces manières-là? Faux type là. Tu crois que tu pouvais m'avoir? C'est toi qui es fautif. Toi, tu es trop bête. Moi, bête que tu je suis né intelligent. Ta gueule. Petit fils d'idiot. Non, wow, wow. Tu es un menembe, ninja, loin du monde. Hé, hé, là. Si tu veux, tu casses le bras ajouté. Allez! Toi, tu es élève. Est-ce que tes parents sont au courant de ce que tu fais? Mais on te parle là.
Et toi, tu n'as même pas honte d'entraîner un élève pour faire ce sale boulot. Qui est le chef et comment vous écoulez les motos? Vous vous fatiguez. On ne vous dira rien. C'est que si vous allez moisir en prison. On s'en fout. On n'a pas peur de la prison. Ah bon, inspecteur, laissez-les-moi leur donner le bon café. Le café de Tampi. Ils seront moins arrogants. Comme ça, vous saurez que ma matraque est plus dure que vos têtes. Non, non, brigadier. Nous sommes partisans de la non-violence. On va trouver le moyen de le faire parler. Et si je le chatouille un peu? Non. Ce n'est pas la peine. Passons à l'affaire Georges. C'est leur heure. Brigadier. Inspecteur. Enfermez ces deux bandits-là. Et rejoignez-nous. Allez, debout. Debout là. Allez, on y va. Ça ne va pas chez toi. Tu sais qui je suis? Oui, c'est lui. C'est lui-même. Celui qui vient juste de rentrer là. Serre-moi une grosse bouteille de Guinness. Tu es sûr? Sûr et certain. Ok, on attend le bon moment pour le choper. Salaud! Pourquoi tu as fermé ton téléphone? On essaie de te joindre avec. Si seulement tu savais. La police m'a découvert. Quoi? Imbécile! Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure? Vous devez être en prison au chaud, non? Foutez-moi la paix! Arrête-toi! Arrête-toi! Mon commissaire, on a réussi à s'entendre avec deux gardes de sécurité pénitentiaire. À leur tour de garde, on sortait pour opérer et on rentrait tranquillement. C'est pas possible. En retour, on leur remettait quelque chose une fois le butin écoulé. C'est ça. Nous, on arrête les voleurs, d'autres les libèrent. Voilà. Mes supérieurs, en collaboration avec les responsables de la prison, vont voir quel sort réservé à ces deux délinquants de garde pénitentiaire. Et puis, il me revient que des élèves sont vos disciples qui vous aident à braquer les honnêtes citoyens, c'est ça? Mais non, mon commissaire, ça fait du fric. C'est l'appât du gain facile. Et leurs parents ne sont pas au courant. Si au lieu de courir partout chercher l'argent, si les parents s'occupaient un peu plus de leurs enfants, il y aurait moins de délinquants dans cette ville. Bon, tout est fini à présent. Tous, vous irez méditer cela en prison. Et j'espère pour vous, les récidivistes, que les juges vont doubler votre sanction. Je veux. Les gars, vraiment encore du bon boulot. Félicitations. Avec des agents doués, dévoués, compétents comme vous, la police peut toujours remplir sa part de contrat que la société lui a confié. Brigadier? Mon commissaire? Tu sais où amener ces délinquants? Allez. De toute façon, on n'a pas peur. Vous savez, au commissaire de Tampi, tout finit par se savoir. Et les prisonniers restent en prison. Allez, oust!